Est-ce que Saint-Étienne sera bon à prendre dimanche? Il reste sur une déception. À quel match tu t'attends? Ça sera un match difficile, déjà parce qu'ils ont perdu le dernier match. Donc ils voudront repartir sur de bonnes bases. Tu l'as regardé ce match? Non, mais j'ai vu quelques images. Et alors, on a pensé quoi? C'est une équipe comme toute autre. Hein. Le plus important, c'est la victoire. Après, ça va se jouer sur le terrain. On a vu un double visage face à Bastia. Très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps moins bonne. Vous allez vous appuyer sur cette première mi-temps? Ouais, je pense qu'on va s'appuyer sur cette première mi-temps. C'est mieux de prendre les bonnes choses et les mauvaises, on essaie de les rectifier. Donc on va essayer le mieux possible qu'on pourra. Vous avez parlé entre vous de cette deuxième mi-temps? Oui, on a reparlé. Je pense que c'est ça notre problème depuis un certain moment. On fait des très bonnes périodes et après la seconde, on perd un peu de lucidité, de concentration. Et maintenant, on a travaillé toute la semaine. J'espère que ça va changer. C'est dû à quoi? Je pense manque de concentration et un relâchement pour certains, je crois. La jeunesse aussi? Ouais, un petit peu. Est-ce qu'il y a une certaine fatigue, peut-être? Non, je pense pas. Une certaine fatigue, c'est pas le moment d'être fatigué. Au contraire, c'est là où on doit tout donner pour essayer de mieux se positionner que possible au niveau du classement. Justement, là, tu disais la lucidité, la concentration, c'est ce que tu essaies de travailler toi aussi dans ton jeu? Ouais, personnellement, c'est ce que j'essaie de plus travailler dans mon jeu. Parce que je pense que je pêche beaucoup, je fais deux différentes mi-temps, surtout moi. Parce que la première, je pense que je donne beaucoup plus et en seconde, je perds de concentration en fait. Donc il faut que tu arrives à te calmer. Comment améliorer ça sans perdre ton jeu? Parce que ton jeu, c'est pas d'être calme. Aussi. Calme, ouais, c'est ça. Mais c'est aux entraînements déjà. Donc, C'est-à-dire tu essaies de t'appliquer? De m'appliquer aux entraînements. Tu en parles beaucoup avec les entraîneurs? Oui, mais on en parle, mais pas trop. Mais j'en parle plus avec les coéquipiers parce que sur le terrain, ils le ressentent le plus. Est-ce que tu as l'impression que tu es devenu une pièce très importante de ce collectif? Non, pas encore. Et je pense que je ne le serai jamais. Tout joueur est une pièce importante dans le groupe. Donc tous nous faisons la pièce importante. Donc je pense pas qu'il y a une pièce importante dans l'équipe. Ouais, tu joues quand même beaucoup plus, quoi. Oui, mais c'est comme d'autres joueurs jouent aussi plus. Donc tous on est des pièces. Quand on joue plus, ça veut dire qu'il y a la confiance de l'entraîneur et que... Oui, il y a la confiance de l'entraîneur. Mais c'est des choix. Après, un autre peut faire la même chose aussi si on lui donne sa chance. Tu attends avec impatience le tirage au sort de la Coupe d'Europe. C'est un beau souvenir pour toi l'année dernière. Ouais, c'est un beau souvenir. J'espère qu'il y en aura encore d'autres plus beaux. Donc j'attends le tirage. J'espère qu'on aura une très bonne poule par rapport à certaines équipes que j'ai vues là. Donc, j'attends. On sait que ça vous a quand même coûté beaucoup de points l'année dernière en championnat, surtout les matchs du dimanche. Est-ce qu'elle va se jouer à fond, cette Coupe d'Europe? Oui, elle va vraiment se jouer à fond, comme celle de l'année dernière. Et comme le championnat, on va tout jouer à fond, comme on l'a toujours fait. Après maintenant, il y a les réalités du jeu. Il faudra mieux gérer peut-être les matchs. Oui, il faudra mieux gérer, oui. Quelles images, quels moments te restent de la Coupe d'Europe? Des équipes, des déplacements, des adversaires, c'est quand même très différent du quotidien du championnat. Qu'est-ce qui t'avait beaucoup plu? Qu'est-ce qui t'avait marqué? Le match ici contre Newcastle. La ferveur du public, l'ambiance qu'il y avait au stade. Okay. C'est un jeu différent aussi, la Coupe d'Europe? C'est un niveau différent. C'est plus intense, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Ouais, c'est plus intense et tactiquement c'est différent. Est-ce que ça se rapproche des matchs internationaux que tu peux faire avec ton pays?
Au niveau de l'intensité de l'approche. Oui, au niveau de l'intensité, oui. Après, ça dépend des équipes aussi qu'on rencontre. Tu as des préférences ? Au niveau des équipes ? Ouais, parce que ça change rien, mais bon, on peut se dire j'aimerais bien aller dans tel pays, rencontrer telle équipe, ou j'ai pas envie de rencontrer cela. Non. Toute équipe, c'est une nouvelle expérience à prendre, donc... Il y a des championnats, des pays particuliers, que, je sais pas, l'Espagne, l'Angleterre, je sais pas, il y a des pays que tu préférerais ? Oui. L'Espagne, ouais. L'Angleterre, ouais. Et l'Italie un petit peu.